Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ici on est à l'entrée de Mtsahara côté venant de Mzomboro. Ici vous avez cette petite portion de route qui monte ici. Du coup là on a ici un ruissellement d'eau qui arrive ici, la saison de pluie. Donc c'est censé être des caniveaux, mais c'est pas des caniveaux. Ici on voit des pneus mises, d'accord. L'eau qui est en train de attaquer la terre ici, donc ça menace d'attaquer aussi la route. Donc il est très important ici d'étudier pour mettre des caniveaux ici dignes de ce nom là. Il y a l'absence de caniveaux ici. Donc voilà, à force les gens comblent avec des déchets, hein. Alors est-ce qu'il ne serait pas très intelligent de mettre des caniveaux ici, faire quelque chose de propre, très propre même, parce que là c'est vraiment dégueulasse ici. Alors je vais descendre là dedans un petit peu, hein. Alors c'est vraiment dégueulasse, les gens ils jettent, vu que c'est pas entretenu, qu'il n'y a pas quelque chose digne de ce nom, eh bien, les gens s'amusent à jeter, hein. C'est devenu une déchetterie ici. Les gens jettent. Il faut qu'il y ait des caniveaux ici. C'est obligé qu'il y ait des caniveaux ici, parce que là c'est pas possible, les gens jettent n'importe comment. Voilà. Des caniveaux, une zone de déchets, d'accord. Une zone où les gens peuvent jeter les poubelles tranquillement, proprement. Mais là, ici, c'est complètement délaissé, cette rue. Aïe, aïe, c'est vraiment dégueulasse. Alors, voyons voir jusqu'où les dégâts sont considérables. Alors jusqu'ici, ce serait pas bien de mettre des caniveaux, puisque quand il pleut, il y a une forte ruissellement d'eau ici, et ça amène les déchets dans la mer. Alors on va s'enfoncer pour... Alors je pense que il y a moyen de faire un petit projet ici. Il y a moyen de faire un petit projet ici. Et oui, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose de propre ici. Parce que ici, la saison de pluie menace les habitations ici, voilà, avec l'érosion ça va amener la terre, petit à petit ça va attaquer, et du coup voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui verront la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire ici, il faut aménager quelque chose de propre ou il faut laisser comme ça, que les gens jettent les déchets aussi comme ça. Et puisqu'ils jettent les déchets, eh bien, les déchets partent à la mer. Les déchets partent à la mer. Tout ça, ça part à la mer. Voilà la situation ici, à l'entrée de Mtsahara.